Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous expliquer quelle est l'origine du nom de cette chaîne, La Délicieuse. C'est également mon pseudo sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite à me rejoindre, je vous mettrai mon pseudo juste ici. En fait, pour vous expliquer tout ça, tout a commencé sur Instagram, voilà, où en 2013, quand je me suis lancée sur Instagram, je m'appelais Daphné, suivie de mon nom de famille, tout simplement comme toute personne à peu près normalement constituée qui démarre sur Instagram. Et au fur et à mesure, Instagram a commencé à prendre un petit peu d'ampleur, donc j'avais envie d'être un petit peu plus anonyme que de m'appeler Daphné avec mon nom de famille, où on pouvait me retrouver facilement. Donc j'ai commencé à chercher un nom. Et comment est-ce que La Délicieuse est née? Eh bien tout simplement, j'avais plusieurs caractéristiques en tête. Donc à l'époque, quand je me suis lancée et que j'avais envie de rendre mon compte Instagram un petit peu plus professionnel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un nom. Moi je voulais quelque chose qui soit français, parce que à l'époque il y avait beaucoup de noms qui étaient un peu anglais, voilà, un petit peu des noms avec des associations juste de mots en anglais et tout, qui n'avaient pas beaucoup de sens. Et moi je voulais un nom qui allait être français, parce que je voulais que parmi tous ces micro-influenceurs, micro-instagrammeurs de l'époque, voilà, qui allaient être internationaux, je voulais qu'on puisse voir que j'étais française, parce que c'était une fierté, et puis que je voulais que ce soit un petit peu reconnaissable dans mon nom. Et ensuite j'ai cherché quelque chose qui allait me correspondre, et c'est vrai que sur mon Instagram il y a énormément de photos de nourriture. J'ai toujours aimé poster des photos de nourriture, voilà, je trouve ça hyper esthétique, hyper cool, je trouve que ça donne des idées de recettes, ça donne envie de manger et tout, et j'adorais poster des photos de nourriture. Donc voilà, j'ai commencé à chercher un nom, et je me suis dit qu'il fallait quelque chose qui soit en rapport avec la nourriture, vu comment j'adore manger. Donc j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce qui allait me caractériser au niveau nourriture. Il fallait que ce soit français, voilà, et donc il y avait cette idée un petit peu de délice qui revenait, de gourmandise, voilà, j'avais envie d'un nom un petit peu dans cette idée là finalement. Et je me suis dit qu'il fallait quelque chose vraiment qui soit caractéristique de ma personne, c'est-à-dire en lien si possible avec mon prénom. Donc comme je m'appelle Daphné et que mon prénom commence par un D, eh bien je me suis dit délicieux, c'est carrément bien parce que ça commence par un D. Et à l'époque, voilà, on était tous sur Instagram, il y avait pas mal de monde qui s'appelait La Malicieuse, je sais pas, La Fabuleuse et tout, enfin voilà, il y avait pas mal de pseudos comme ça, et je trouvais ça hyper cool, j'aimais bien, je trouvais ça joliment écrit, le fait d'être là quelque chose, je trouvais ça bien. Donc je me suis dit La Délicieuse, voilà. Alors je prétends pas que je suis délicieuse d'une quelconque manière, rien du tout, c'est juste que c'était français, il y avait un D, c'était en lien avec la nourriture, et voilà, j'aimais bien le son du mot, enfin voilà, le mot je le trouvais esthétique, je trouvais ça joli, et La Délicieuse je trouvais ça hyper cool. Et donc j'ai fini par taper La Délicieuse sur Instagram, et là je me rends compte que le pseudo est pris, donc j'étais au bout de ma vie. Forcément, parce que moi j'avais trouvé un truc, je le voulais absolument, je voulais La Délicieuse. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien tiré du 8. C'est comme ça que l'aventure La Délicieuse a commencé sur Instagram. Du coup en 2000, La Délicieuse, je pense que Daphné et mon nom de famille, ce compte là est devenu La Délicieuse en 2014 je pense, et voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé, et j'étais hyper contente, et depuis bah, je ne l'ai jamais lâché, et c'est pour ça que j'ai aussi appelé ma chaîne YouTube La Délicieuse, et que je ne compte pas en changer pour l'instant parce que je trouve le nom assez cool. Et voilà, du coup c'est déjà la fin de la vidéo, c'était vraiment une petite vidéo rapide mais explicative qui peut-être vous aiguiller sur l'origine de la chaîne que vous êtes en train de regarder. En tout cas j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas je vous laisse la liker, vous abonner à la chaîne juste en dessous de La Délicieuse du coup, et puis moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.